suivi d'une légendaire. Qu'est-ce que ce sera? Moi, je dis peut-être une sorcière de la nuit. Est-ce... What? Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening et pas que des abonnés, mais pour les abonnés, eux, c'est pas compliqué, il faut écrire à bfapack@gmail.com, utiliser WeTransfer pour envoyer des gros fichiers de qualité. Moi, je vais aussi ouvrir des coffres. Avant que ça commence, je voulais juste me faire un petit coup de pub pour mon serveur Discord, Supercell Games France. En fait, c'est un serveur où vous pouvez discuter, chatter, écrit et vocal. Donc Discord, c'est une application iOS, Android, Mac, PC. Vous avez le lien du Discord, donc de ce serveur, en description de vidéo. Et aussi qui apparaît à l'écran, donc vous pouvez nous rejoindre. Il y a une grosse ambiance, voilà, il y a, comme vous voyez, il y a pas mal de personnes en ligne, 300 personnes ici, plus si on rajoute les géants, géant royal, les chefs de clan, les top players, les BFA sponsors, les ceci, les cela, bref, on a fait toute une organisation, et à savoir que c'est ce que j'utilise pour discuter avec vous et aussi réaliser les vidéos quand, lorsque vous apparaissez dans mes vidéos, entre autres quand je fais du 2v2 avec les abonnés, bah c'est via Discord que je fais ça. Donc voilà, je vous invite à checker tout ça. Vous pouvez aussi utiliser l'application si vous voulez créer votre propre serveur privé entre amis, etc., vous faire une ambiance, vous pouvez aussi le faire. Voilà, en tout, donc vous avez le lien, vous cliquez, c'est discord.gg/supercell.fr ou supercellgames.fr. Voilà, bref, vous avez le lien en description et qui est apparu à l'écran. Alors, on va commencer pour ma part avec des petits coffres de foot parce que c'est mes préférés. Donc, j'adore ces coffres. Donc, on va les enchaîner, voilà, gentiment, joyeusement. C'est parti. Et en fait, ce que je veux, bah, c'est la nouvelle épique et la nouvelle rare. Je l'ai déjà. Donc, on va essayer de les dropper direct. Sinon, on va tenter des redraws là-dessus. Donc, là, on va tenter clairement du redraw soit sur la peut-être sur la rare, on va essayer de la voir. Voilà, si on l'a direct c'est bon, sinon on est chocolat. Alors pour l'instant on est chocolat, on n'arrive pas à la pécho, les petits électrocuteurs là, hop, encore une chance. Purée, on va pas la voir. Oh là, purée, on va se taper une sale rare là. En plus j'ai gardé des vieux ballons là. Ah, machine volante, bon ça va encore, ok. Bon, on n'a pas eu ce qu'on veut, mais c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Coffre de foudre, hop, c'est parti. Trois cartes. Les chauves-souris, j'aime bien. Le tour à bombe, j'en veux pas, ça c'est sûr. On vire. Oh, la sorcière aussi, faut virer. Allez, on tente ici. Trois mousquetaires, purée. On tente sur la pique. Ah non, deux géants squelettes, horrible. Je retente sur les piques, du coup, je veux pas de géants squelettes. Ah, c'est ça, prince, c'est terrible. Donnez-moi les bottes des piques. Ah, prince ténébreux, encore pire, mais c'est quoi ce drôle? Oh, ballon, punaise, choqué, déçu. Oh là là, que c'est vibrant. Mais dans le mauvais sens du terme. On recommence, tac, boum. Hop là, et après on ouvrira des gros coffres des abonnés. Oh super, on a l'électrocuteur, c'est bon, donc on va pouvoir jouer sur les pics. C'est quoi les communes? Ok, ça va encore. Donc on va changer ici, tenter. Bibi, ah j'aime bien les dragons, mais bon, ça va encore. Moi j'ai déjà level 7. Gel, on n'en veut pas. Allez, la nouvelle épique. Tornade, c'est bien, tornade, mais non. Oh non, clonage, ou vite, on le vire tout de suite. On n'aura pas le clonage, c'est sûr. 2 PK, ça va encore. On imite la casse. Et on a eu les électrocuteurs qu'on va pouvoir level up. On est à 857 gems. Je vais en garder un tout petit peu après quand même. Allez, on va en faire encore un ou deux, je pense. C'est parti. Les gargouilles, ok. Valkyrie, j'en veux pas. Et l'Arkix non plus, j'en veux pas. Donc on tente sur la Valkyrie ici. Le Rhydro, sorcier, c'est pas top non plus. Oh là là, la boule de feu, ça va encore. Est-ce qu'on tente sur les pics? On va tenter sur les pics. Ah, deux sorcières encore. Oh là là, encore un coup ici. Ah, on l'a pas, deux poisons, qu'est-ce que je fais? Je tente sur les pics sur la commune, je vais tenter sur les pics et ça sera flux à gobelins. C'est pas. Voilà, on est passé à côté, hein. On est passé à côté de la plaque. Alors, c'est parti, on continue. Bombardier, j'en veux pas. Ouais, mais j'en veux pas, mais je vais être obligé de le garder parce que c'est pas sur la tube. Problème de glace, ça va encore. Flux à gobelins, bah, pff, ça y est, quoi. Donc, on va tenter ici sur la. Oh, gagné sur la rare. On a eu ce qu'il fallait. On va tenter du coup sur les pics, le bouliste, ok. On vire le bourreau. Et il faut vraiment prier parce que là on a des bonnes épiques. Ah c'est bon, on l'a eu. Oh là là. Mais ça c'est magnifique. On a exactement ce qu'on voulait. Donc on va tout de suite ignorer. Ça y est, on garde ça. Tant pis pour les. Ah si, les bombers. Je suis bête, j'aurais pu les changer, les bombers. Oh, je suis. Bah voilà. Allez, écoutez, sous l'émotion. Du coup, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne les petits level 4 level up. Hop là, ça nous fait level 5. Bah ben, on est encore pas top top. Et lui level 2 toujours. Bon du coup bah voilà. On enchaîne avec Struck and Boy qui a de bien jolis coffres. Trois coffres magiques, un coffre super magique peut-être. Un autre caché, je sais pas, coffre de clan. Ou dans les quêtes, on a des archers, on a des chauves-souris, on a des mortiers, on s'en fout. On a du gobelin à Sarbacane.
Voilà, qui tire ses fléchettes empoisonnées, c'est formidable. On continue avec. Ça serait pas mal, tiens, le coup des fléchettes empoisonnées, ça, que ça fait mourir un petit peu et pas directement des dégâts. Pourquoi pas? Fournaise, barbare d'élite, 6 canons, c'est pas mal au niveau des communes, c'est pas mal au niveau des rares. Ça ne suffira pas, il y aura des épiques. Ça sera 4 fûts à gobelins dans ce premier coffre magique. Ça enchaîne plutôt pas mal tout ça. Alors, encore un coffre magique. C'est parti, on est chaud. 1200 boules ici dans la popoche. La guérison, machine volante, puis passe pour le chevaucheur de cochon, centre sur le géant. Les fûts à squelette, il y en a beaucoup. Légendaire, carte dégueulasse avant, squelette, gros géant squelette. Oh, méga chevalier, j'en perds les moyens, débloqué sur un coffre magique gratos. Ça fait plaisir et ça s'annonce plutôt très bien sur son petit compte. Son petit compte, son gros compte, hein, 4000 trophées, enfin façon de parler, petit copain, tout ça machin. Alors, on continue, on enchaîne. Fût à squelette ici encore, gargouille avec chevaucheur de cochon, esprit de glace, toujours là, machine volante. Oh, c'est pas mal. Oh, il le refait deux d'affilée dans un coffre magique. C'est tellement rare. Après un sort de gel ici maintenant, ça sera un molosse de lave et qui passe à 3 sur 4 pour le level 3. C'est pas mal. Après, s'il aime pas le molosse de lave, je sais pas, mais bon, c'est quand même franchement sympathique. Double légendaire déjà depuis le début avec deux coffres magiques. Attention, cet homme est un chanceux. Il voudrait peut-être du cimetière et de la bûche vis-à-vis de son deck, mais il veut aussi peut-être d'autres choses ici. Voyons voir. Sorcière de la nuit, il en faudrait deux autres. Le Zappi, ah, d'accord, il veut du dragon de l'enfer, il est déjà level 3. Et, ou alors, non, peut-être qu'il. Ouais, si, je pense que c'est une liste de courses. On est parti, 6600 boules ici, avec le super coffre magique et encore plus de chances d'obtenir de la légendaire. On a déjà eu deux, peut-être une troisième ici. Horde de gargouille, fusil à squelette. Ok, fusil à squelette, il y en a eu beaucoup. Bourreau, c'est pas mal. Fusil à squelette, c'est pas top. 140 cochons, c'est plutôt pas mal. Oh, 15 clonages, ça fait mal, mais derrière, il y a le picoting, pardon, le clignoting. Et oui, le clignoting, et ça sera. Oh, Remolo, s'il le passe level 3 du coup, formidable, 4 sur 4 de molos d'un coup, franchement c'est pas mal joué, on en est à 3 légendaires, oh, recoffre super magique planqué, est-ce qu'il peut avoir une quatrième légendaire, ça serait énorme, charrette à canon, ça me paraît un peu chaud maintenant, machine volante, oh, fût à squelette, mec, t'as été dosé ta tête là, avec ça, miroir c'est pas terrible, méga gargouille c'est pas mal, oh, reclignoting, 16 ballons, quatrième légendaire, mais oui. C'est ça qu'on aime, et ça sera... Oh, Dragon de l'Enfer, il a voulu être dans la liste de courses, 1 sur 10, mais il en faut d'autres par contre. Pas mal du tout, du coup ça fait quand même un max de légendaires sur de la gratuité. Il va ouvrir ses petites, voilà, ses petites quêtes pour le coffre en or, va-t-il les débloquer tout de suite? Non, je ne crois pas. En tout cas, merci à Struck and Boy, je demande une pluie de GG s'il vous plaît dans l'espace commentaire et un max de pouces bleus, bien sûr, pour encourager les participants. Je vous invite à partir. Oh, Béfar s'attaque, excellent le pseudo, il y en a un, il a fait un mix entre moi et Farsounet, excellent. Farce, tu regardes ces vidéos, on pense à nous, coucou BFA YouTube, coucou à toi. Comment il a écrit aussi vite? Il avait un copier-coller ou quoi là? Ou alors il avait déjà écrit et puis c'est resté? D'accord, ok. Toulouse, clan à vous familial, on vous fait coucou. Les membres des joueurs, le petit coucou, la petite dédicace. Grosse dédicace, si vous plaît, tout le monde fait une dédicace au clan coucou. N'est-ce pas? De Toulouse. Au clan coucou. Au clan Toulouse! Pardon, le méga chevalier souhaité, mais il n'y a pas que, hein, pas que. Source électrique, mineur, Bob l'éponge. Alors la petite voleuse, toujours là, avec sa pushka. Ok, très bien. Et le deck, donc il y a de la princesse de la bûche au niveau des légendaires, puis les voilà. Prince ténébreux, tu joues prince ténébreux, tu veux du prince ténébreux, mais écoutez, c'est la première fois, on sera content qu'on verra du prince ténébreux. C'est parti, on enchaîne avec un coffre doré, squelette, esprit de glace, Valkiki. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais j'ai envie de dire, c'est qu'un coffre doré aussi. Hein. Coffre de clan 10 sur 10, ça peut être pas mal, 1620, on les a. Ensuite ici, les bombardiers, on s'en fout. Le petit cochon, il y en a 3, ok. Les squelettes, 32. Ouais, c'est pas des quantités de malades mentales pour choper de la légendaire, ça. Gang de gobelins, ça, c'est pas mal, c'est level up. Le billet de combat, du coup, les épiques ici. Ok, 3 bourreaux, ça, c'est propre. Oh, surtout que t'en avais aucun. Donc, franchement, le compte se met plutôt bien. Allez, on continue ici avec un coffre magique. Alors, serait-ce la vidéo des coffres magiques légendaire Tesla, pour l'instant c'est mal parti, enfin si, c'est moyen parti, ça peut le faire, non, ça va moins le faire ici, donc ça paraît merguez grillé, non, ça paraît tout grillé tout ça, je suis à gobelin, pas de légendaire, alors il reste quand même un coffre magique, un coffre super magique, un coffre légendaire, donc on a bon espoir pour choper la légendaire, géant ici, ensuite la passe sur le barbare d'élite qui centre sur la Tesla coup de tête ici, électrique sur un cochon dans la lucarne, qui envoie sur mousquetaire, pas de clignoting, si clignoting, ah,
armée de squelettes, pardon, j'ai dit Anne. Anne de squelettes. Armée de squelettes, la légendaire, serait-ce un bon méga chevalier qui ferait plaisir? Non, ce serait une princesse, mais la princesse était dans son deck, rappelez-vous. Donc, du coup, 2 sur 2, level up. Oh, le petit icône smiley qu'il a mis, sympathique ça, le petit montage des familles dans l'opening, c'est nickel. Il est bien content, il est bien content. Bah, on est content pour toi, hein. GG pareil, hein, GG dans l'espace commentaire pour Befars Attack. Voilà, il s'appelle comme ça, on sait pas si c'est quoi son vrai nom finalement. Légendaire assuré ici dans le coffre légendaire, ça clignote, ça tourne coating et ça sera une voleuse avec la capuche débloquée qui était dans les situations. Il a mis ses pouces bleus en l'air, il s'est mis un double pouce, double légendaire déjà sur son compte. Peut-être une troisième ici avec un super coffre magique dans la foulée. Mini PK, mini PK qui enchaîne sur géant. On peut applaudir aussi la qualité d'enregistrement qui est très propre. Merci à toi d'avoir envoyé en full HD. J'ai vu ça. Alors, roquette, ok, chauve-souris 523. Enfin, bourreau, oh là là, c'est magnifique, 23 bourreaux suivis d'une légendaire, qu'est-ce que ce sera? Moi, je dis peut-être une sorcière de la nuit. Est-ce... What? Qu'est-ce que tu nous as fait, là? La bûche. T'as eu une bûche et tu mets ma tête dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est prêt. Il nous a trollé dans la vidéo, dis donc. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il est énorme, lui. Oh, il nous a trollé en plein de vidéos. Je suis choqué, squelette ici derrière, géant, peut-être une légendaire encore. Oh, il va l'avoir, il la mérite pour le montage. Oh oui, 22 golems, oh purée, il a des bonnes épiques, des bonnes légendaires, il n'y a que de la légendaire. Ça sera... Oh, ça sera un cimetière, ah c'est pas mal. Ouh là là, c'est quoi ce... Par contre là, ça se lâche, au niveau des émoticônes, ça se lâche un petit peu franchement. Ouh là là, qu'il y a des choses au pack opening avec ici un coffre doré, peut-être avec une surprise. Mortier, ouh là, ça a été un peu vite. Ok, coffre géant derrière, on l'aura pas, cabane de barbare ici, ok. Ouais, très bien, des gemmes, 10 gemmes, on récupère. Est-ce que tu nous réserves quelque chose encore? Je ne sais pas, peut-être un petit coffre caché quelque part. Non, une liste de cours, je pense que ça va... Oh, peut-être une amélioration. Je pense que ça va se terminer là-dessus, les amis, vraisemblablement, parce que j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker massivement si elle vous a plu, si vous avez vibré comme moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.